Et salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc la présentation. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc la présentation du serveur Royal Cube. Donc en fait, on ne peut pas. Donc le but du serveur, c'est du ultra hardcore vanilla. Donc on ne peut pas régénérer notre vie grâce à la bouffe, mais tout simplement grâce au petit beacon que vous voyez qu'on a installé au village. Quand on a tué le Wither, je me suis fait tuer par Adriréal, hein? Et ou alors on a des popos de régénération ou de heal, mais des heals j'en ai pas sur moi. Donc, présentation du serveur, donc je vais déjà présenter les joueurs. Donc on est une bonne dizaine, je crois. Donc il y a Adriréal, moi-même, il y a Skip, Primel, il y a un nouveau Arctic. Ou un truc comme ça, je sais plus trop son pseudo, désolé. Il y a Zogamist, Infinium et Kazé. Je crois que j'ai oublié personne, voilà. Donc comptez combien ça fait puisque j'ai pas compté. Donc on a un système de mort aussi, donc je suis un de ceux qui ont le plus de morts. Donc Skip a 30 morts et Dark, enfin moi j'en ai 20, 20 et Adriel en a 16. Donc voilà. Donc petit coucou à Skip. Donc je vais vous présenter ma petite maison du spawn. Donc voilà, en parlant de ça, j'ai pas de matériaux, non. Voilà. Je revouille. Comment il a fait? Ah ouais, ok. Donc là c'est ma petite maison du spawn. Ah, Underpearl aussi. Ouais. Donc là c'est ma petite maison du spawn. Donc voilà, donc là il y a la petite entrée, cuisine et tout. Derrière, j'avais mis quelques champs, mais bon, je me suis installé loin du village maintenant, donc. Enfin, loin, encore ça va. Ferme la porte. Ferme la porte, voilà, merci. Donc, ensuite, là, c'était tous mes coffres, il y avait mes lits et tout, faudrait que j'aille récolter du bois. Ah, mais il m'énerve avec mes portes, lui. Donc, ensuite, je vais pas détailler toutes les maisons, mais je vais pas. Donc, là, c'est la maison à Skip. Là, c'est le truc du Nether. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Merci. Donc là c'est le genre de petite cabane que j'ai faite pour le Nether. Là-bas c'est la maison à Primel. Donc la maison à Skip qui est assez belle. Derrière la maison à Skip, il y a la maison à, je vais l'appeler Arc parce que, ou Art, Art, voilà, Art. La maison à Art, donc qui est assez sympa, il a continué. Donc là elle a une pioche level 30. Il est que un Breaking 3, donc l'Epic Fail. Pourquoi il y a un trou là? Ouais, c'est pas grave. Ah, Creeper, ok. Ah, ouais, quand même. Donc là, normalement, il y a tous ces coffres avec tous ces livres et tout. Il y a toutes les enclumes, mais je sais pas, il y en a qu'une. Je sais pas où elles sont passées, il y en a que deux même. Ensuite, il y a ces coffres et tout. Mais bon, ouais, j'ai dit que j'allais pas m'attarder. J'ai oublié le chrono comme un boulet. J'ai oublié le chrono. Bon, écoute, on va faire au feeling. Hein. C'est pas bien grave. Dès que j'ai fini. Ensuite, donc là, je vous ai montré 4 maisons, 5 avec une pas une maison, mais une genre de. Comment on peut appeler ça? Bon, je sais pas, voilà, on va appeler ça, je sais pas quoi. Donc là, ensuite, c'est la table d'enchant du village, donc level 30. Vivement qu'on passe en 1.8 pour les nouveaux enchants. Là, normalement, il aurait dû y avoir quelques poules et là-bas quelques vaches, mais bon, ils ont déjà fait tous des regroupements chez eux, donc voilà. Je sais même pas pourquoi ils y laissent. Donc là c'est l'usine à zombies du spawn. Donc moi j'en ai une chez moi. Squelette c'est un peu mieux. Elle est même pas au petit en plus. Donc là, excusez-moi, c'est la maison du pêcheur. Donc voilà, donc là c'est la pêcheur. Là il y a déjà des cannes à pêche et tout. Il se fait agresser. Oh, je crois que j'ai le OK. Bref, donc là c'est la petite cabane entre guillemets pour l'under chest. Donc moi je l'utilise pas parce que mes coffres ils sont planqués. Donc là ensuite, ah oui. Donc là ensuite, c'est la maison à caser. Donc voilà, donc je vais pas montrer. Là c'est son écurie. Là c'est la grande maison à Infinium. Ensuite, là c'est la maison à Adriel, comme vous voulez. Bon, bah alors là, t'as pas intérêt parce que je te mets une flèche, moi.
Donc voilà, donc je vais aller chez moi. Pouf, qui s'est même pas visé. Je cours tout droit presque. Ouais, c'est bien ce que je disais, t'étais nul. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fout là-haut lui? C'est pas grave. Hop là. Donc là, j'espère qu'on va pas se faire attaquer par les piggy. Parce que les piggy, ils font très mal. Donc voilà, pourquoi Chunks ne charge pas. Voilà, merci. Donc là, c'est mon portail, donc il est pas très loin du spawn. Je suis en 100-900 de toute façon. Je suis pas très très loin. Donc là, on atterrit juste en face de mes escaliers, mais les escaliers, ils servent à remonter. J'ai fait une petite, une sorte de. J'ai fait une sorte de toboggan entre guillemets, donc on descend par là. Après, il y a des boulets qui sautent d'en haut puisqu'ils sont cons. Enfin, ensuite, on remonte par ici. Là, il y a mes petites cannes à sucre. En parlant de ça, je vais. D'accord, merci. Je vais les récolter, ça sera fait, ça repoussera. Je fais juste ça pour les livres, hein, parce que mon stage, je vous le montrerai après, mais il est assez badass. On va planter de la canne à sucre ici. Pas grave. Ça, c'est les flèches de l'Infinity. Ah, il faut vraiment que je récolte du bois, moi. Donc, on arrive par ici. Donc là, c'est mes coffres, assez sympa. Hein. J'ai fait un tout petit truc, mes fours et tout. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait ma petite écurie. Donc, je suis en cohabitation entre guillemets avec Zogamis, même si c'est moi qui ai tout fait. Donc là, c'est Dark Horse, mon cheval à moi. Et ça, c'est moi qui l'ai renommé, c'est Zogahorse. Je trouvais pas d'autre nom. C'est son cheval à lui. Ensuite, on a une ferme à XP en bas, donc je vais vous la montrer. Et petite précision, ça ne sert à rien de me demander l'IP ou n'importe. De toute façon, c'est un serveur entre amis. Et il y a une whitelist, je crois. Donc, de toute façon, même si vous la trouvez, ça ne servira à rien. Si vous arrivez à rentrer sur le serveur, vous serez tout de suite banni. Donc ça ne sert à rien, absolument à rien, de chercher l'IP du serveur. Ou même si vous l'avez vu avec inadvertance par moi-même ou par Primel qui enregistre, ça ne sert à rien d'y aller. De toute façon, s'il y en a au moins un de nous qui sont sur le, enfin, un de nous qui est sur le serveur, vous êtes mal barré parce que vous faites bannir, donc vous ne pouvez plus jamais revenir. Donc ça ne servira à rien. Ouais, donc là c'est ma petite ferme à XP. Donc là ils ont un peu aménagé avec arc, avec art et skip. Donc là voilà, donc là vous avez tous les arcs et tout qu'ils ont loot. Ça c'est sympa, du coup je me fais du stuff. Là c'est tous les os. Il y en a quand même beaucoup. C'est toutes les flèches, donc il y en a un peu moins. Là ça va être une salle pour la salle, donc pour la table d'enchant, pour pas trop aller en haut chez moi. Pour l'utiliser level 30 elle va être. Ensuite là c'est leur foutre la merde, donc ils ont un peu de tout. Ils m'ont lynché easy et tout. Voilà quoi. La bouffe. Donc voilà. Donc bah voilà, c'est à peu près tout. Bon après j'ai d'autres choses à vous montrer, mais ça sera plus tard. Genre bah déjà l'end. Je sais pas s'ils ont aménagé quelque chose et tout. On ira voir un autre jour. Je ferai des vidéos de temps en temps de déco et tout. Même peut-être des fois en compagnie de certaines personnes, en compagnie de Gab s'ils cohabitent avec moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, bref, vous connaissez la chanson, je vais peut-être arrêter de la répéter, ça devient un peu chiant. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ah mais non, avant de vous dire au revoir, j'ai oublié de vous dire, donc je vais vous présenter mon stuff, donc avant on va peut-être remonter. Je suis un peu à la ramasse aujourd'hui. Ah, j'arrête d'ouvrir mon inventaire. Donc on va remonter puisque sinon ça va être un peu galère. Allez, plus vite et lent. Allez. Par contre là il faut chez moi il faut toujours une hache parce que sinon vous allez mettre un moment pour. Enfin vous allez mettre. Non. Ils vont mettre un. Chez moi ils sont toujours prendre une. Ils sont toujours obligés de prendre une hache ou alors je leur donne. Parce que bah sinon ils peuvent pas rentrer dans mon format XP tout simplement. Voilà, j'ai réparé. Donc, je vais vous faire mon stuff. Donc, pour l'instant, c'est pas du stuff très badass. J'ai du protection 3 sur mon casque pour l'instant. Donc, il manque plus qu'un protection 3 pour le fusionner. Mais j'attends d'avoir la nouvelle XP pour fusionner. Ensuite, protection 4, protection 4. Donc, là, j'attends d'avoir un protection 4 Feather Felling. Parce que Feather Felling, c'est cool. Ensuite, pour mes épées, j'ai une Sharpness 4 Dark Sword. Voilà, c'est classe. Pourquoi j'ai autant d'épées, moi, au fait?
Ah ouais, ça c'était pour le dragon. Donc là j'ai une bonne offre trop pote qui sert à rien. Là aussi, là c'est mon épée looting, qui est assez badass aussi. Mais le plus badass de mon stuff, bah c'est tout simplement mon arc. Flame 1, Power 4, Ranking 3 et Punch 2. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Bref, je vais pas le redire. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.